Laurence Coudray, présidente et commissaire d'exposition du 84e Salon des artistes indépendants normands. Bienvenue dans ce salon, l'un des plus anciens de France, situé à la Halle aux Toiles, au cœur de la ville de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, en Normandie. Cette manifestation artistique a pour but de promouvoir l'art sous toutes ses formes en Normandie. Elle est ouverte à tous les artistes sans sélection, amateurs, semi-professionnels et professionnels qui présentent une œuvre figurative ou abstraite, peinture, gravure, mosaïque ou sculpture. Pour ce cru 2024, pas moins de 356 artistes, dont 150 nouveaux, 294 peintres, 60 sculpteurs et 2 mosaïstes. Parmi eux, plusieurs représentants de nationalités diverses, Russie, Italie, Bangladesh, Inde.
Cette année, nous avons le privilège d'accueillir Laure Ketfa comme invitée d'honneur du 84e Salon des artistes indépendants normands. Artiste peintre, née en 1973 à Clichy-la-Garenne en Île-de-France, elle arrive en Normandie en 2002 dans la ville de Neufmarché avant de s'installer à Avesnes-en-Bray en Seine-Maritime où elle réside et poursuit son art depuis 2014. L'école Sornaz de design graphique, des cours à l'atelier Nicolas Poussin à Paris, ainsi qu'une formation de décor en trompe-l'œil permettent à cette artiste d'exceller dans son art. Depuis sa plus tendre enfance, elle partage avec le monde ses ressentis sur la vie, la terre qui nous accueille, les émotions qui l'animent. Peindre est pour elle une source d'émerveillement. Selon ses dires, chaque jour, inventer un monde nouveau, la remplit de joie. Les représentations de Laure Ketfa laissent une grande place à l'imaginaire. Elle se laisse traverser par quelque chose de plus grand. Une intuition qui vient d'ailleurs, en écoutant son ressenti au plus profond d'elle-même. Le voyage, la poésie, la contemplation de la nature nourrissent ses œuvres sans oublier la philosophie, la spiritualité, le chamanisme qui l'inspire pour mettre au centre de ses messages les questionnements sur notre devenir. Auréolée de nombreux prix et récompenses, l'artiste n'a cesse de poursuivre un chemin d'honneur, d'exposition en galerie. Cette manifestation culturelle reçoit chaque année un public enthousiaste et fidèle de plus en plus nombreux. En février 2023, 6600 visiteurs sont venus arpenter les allées du salon en 2 semaines d'exposition. C'est bien la preuve que nous suscitons le plus grand intérêt. Ce salon représente l'art actuel et populaire. Il n'a pas la prétention d'être un salon d'art contemporain, mais il a le mérite d'apporter et d'offrir au public ce qu'est l'art, chacun se faisant son opinion dans la diversité des expressions. À chaque nouveau salon, il y a de quoi s'étonner à la rencontre d'artistes surprenants, ingénieux et talentueux dont on a plaisir à découvrir les œuvres. Certains artistes sont récompensés par le prix de la ville de Rouen, premier prix du salon, le prix du département de la Seine-Maritime, ainsi que de nombreux autres prix décernés par un jury composé, entre autres, des membres du conseil d'administration. Je vous invite donc à venir découvrir ce grand vivier de créateurs où chacun trouve ici de quoi susciter sa pensée, son imagination au cœur de cette diversité assumée. Nous vous accueillons du mardi 9 mars au dimanche 24 mars 2024, tous les jours, y compris le week-end, de 14h30 à 19h. L'entrée est libre. Merci pour votre visite.